Bonjour à tous, bonjour la team Biquette, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mes autres chaînes. Donc merci à vous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Pirate Ship, Légende des mers. C'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir sur mes chaînes YouTube. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler du capitaine. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Marcus Sharp. Donc c'est le premier capitaine que vous aurez. Les autres, comme vous le voyez, vous les débloquerez avec le niveau. Ou certains vont être trouvés. On sera sûrement dans les événements ou peut-être dans les missions en avançant la campagne, etc. Donc là, Marcus Sharp, ce sera le premier que vous aurez. Alors, ce capitaine-là a ce petit bonus. Donc, le bonus accélère l'attaque des combattants et archers dans le rayon de plusieurs cellules autour d'eux. Temps de recharge de l'attaque au corps à corps, moins 40%, et temps de visée, moins 40%. Dure 4 secondes. Donc là, vous voyez, il est au niveau 3, c'est parce que mon chap, il est au niveau 3. Donc quand vous montrez votre niveau de capitaine, il y a son bonus qui montera aussi. Donc ça, c'est accélère l'attaque des combattants et des archers. Donc ça, c'est dans un rayon de plusieurs cellules autour. Donc en gros, quand vous êtes sur un bateau, quand vous allez mettre sur le bateau, donc là je mettrai voilà ce bateau. Là j'ai mal positionné, il faudra que je le mette plutôt ici. Voilà. Voilà. Comme ça. L'idéal, c'est ça. Voilà. Donc là, plusieurs cellules autour. Donc c'est-à-dire que là, comme ça, il va accélérer la vitesse de corps de visée et les vitesses de corps à corps de 40%. Donc c'est avec les tireurs et les canons, ça va être amélioré. Non, ça c'est combattants et archers seulement. Ouais. Donc tout ce qui est tireurs et combattants à armes, ça fera moins 40%. Donc il va être beaucoup plus rapide. Et puis comme il est tireur et en même temps il est corps à corps. C'est-à-dire que quand il va aller sur l'autre bateau, eh bien vous pourrez attaquer plus vite au corps à corps à de 40%. Donc il a 880 de vie, temps de rechargement à 0,5. Je l'ai amélioré à moins 0,1 parce que je l'ai monté en niveau. Son attaque elle est 180, vitesse à 4, attaque à 165 et poids 100. Donc le poids c'est utile quand vous regardez vos bateaux. Le poids maximum, voilà. Parce que les autres héros que vous allez avoir, ils ont un poids différent. Donc il faudra toujours faire attention par rapport à ça. Donc là, vous voyez l'attaque au corps à corps et là, l'attaque à distance. Voilà. Donc le vitesse de rechargement. Là, il y a des SNP, mais je pense que c'est plutôt pour les deux. Je pense que c'est peut-être pour les deux. Le moment de frapper et le moment de tirer. Voilà. Donc ça, c'est quand vous êtes sur le bateau. Et ça sera que quand vous serez sur le bateau ennemi, quand il y aura l'abordage. Quand vous serez à l'abordage, il ne tirera pas, il passera en épée. Donc vous voyez, il fait plus de dégâts. Et pour améliorer, il faut des cristaux rouges. Donc les cristaux rouges qui sont là, ce sont des rubis de capitaine. Les rubis les plus rares sont utilisés pour acheter des améliorations de capitaine. Voilà. Peut être trouvé dans la campagne histoire. Donc là, vous allez ici et campagne histoire qui sont là. Voilà. Par contre, moi, ce que je donne un conseil dans la campagne histoire, je vous conseille de regarder les tâches quotidiennes. Si vous avez la campagne histoire à faire, faites seulement un niveau à chaque fois qu'il vous le demande. N'avancez pas trop long, parce que si vous avancez trop long, vous ne pourrez pas à tout avoir. Voilà. Et au bout d'un moment, vous serez bloqué. Et sur la campagne, il y a écrit remporter, ouais, battre l'ennemi dans la campagne. Donc si vous ne le battez pas, vous ne gagnez pas ça. Donc je conseille qu'un seul niveau à chaque fois. Voilà, et eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cocher la cloche. Merci à vous, allez, bonne journée à tous et bonne game. Ciao, ciao.